Ce que vous dites, il faut donner les moyens à l'Ukraine de se défendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire envoyer des avions à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse garantir la sécurité de son ciel? Oui, je pense qu'il faut envoyer des avions. Maintenant, je le dis aussi le, le, le temps de formation des pilotes, etc. Pour savoir. Oui, ben oui, mais donc oui. en fait, il n'y a pas de solution simple. Donc il faut il faut agir sur tous les niveaux. Et oui, il faut défendre le peuple ukrainien. Oui, il nous faut défendre le peuple ukrainien parce que derrière c'est l'honneur de l'Europe. Parce que derrière c'est la protection de l'Europe. Et parce qu'en fait, si on, on est si on, on fa, si on est en faillite là-dessus, alors euh, nous sommes en faillite sur notre euh, po, sur nos valeurs et sur notre position à l'international et là nous sommes en train vraiment de perdre du terrain et euh, nous devons Alors absolument avoir sur cette question une question elle est eh bien oui nous y voilà qu'est-ce que je vous avais dit hier bah voilà ils veulent la guerre et, et on voit bien que ce sont des agents infiltrés qui servent l'otan et qui ont donc pour but de conditionner la population qui a euh, qui, qui sont cette population qui a voté les filles, qui sont les cocus, mais alors les cocus incroyables de cette histoire, parce qu'il faut savoir que la gauche, euh, qui soi-disant euh, se manifeste ou tout au moins prétend être pacifiste, est là pour le coup, va en guerre, va en guerre pour qu'on envoie nos enfants. Pour l'instant, on va envoyer, alors Sandrine Rousseau, elle va, ceux qu'elle désigne comme des comme la société, les représentants de la société patriarcal, c'est-à-dire le mâle blanc euh, viril et hétéro, c'est lui qu'on va envoyer en premier en Ukraine. Hein. C'est elle, elle a décidé de sacrifier cette population-là qu'elle déteste. Elle a, finalement, ça se tient son raisonnement. On envoie nos militaires déjà se faire flinguer en Ukraine. Pour bien entendu défendre la fripouille Zelensky, qui, est, euh, qui, qui fait partie d'une mafia et dont l'enrichissement le, est en train de se faire, puisqu'il achète des, des, des biens à l'étranger, en Espagne, je ne sais pas, enfin bref, Miami, je crois. Donc, du coup, euh, Sandrine Rousseau, elle est pour euh, soutenir. Euh, la famille Zelensky, euh, là, elle regarde pas trop sur la richesse, sur le patrimoine, hein, parce que c'est comme c'est acquis avec des malversations. Et bien entendu, c'est normal de, de les laisser et de garantir leur patrimoine. Par contre, les gens en France qui travaillent, qui ont un peu d'économie, là, il va falloir piquer dans leurs économies pour financer cette guerre en Ukraine qui évidemment protège l'oligarchie mafieuse du, du pays c'est formidable alors continuez à voter pour ces gens là vous allez être les cocus de l'affaire mais alors à plein à plein pot et vous allez même Peut-être vous, jeunes gens qui avez euh, bobo euh, pour le pour la comment dire contre la pour le, le changement de genre pour les les gay pride des compagnies, eh bien vous allez vous retrouver peut-être avec cette petite Sandrine Rousseau sur le terrain ukrainien. Un jour, on va venir. Pour la bonne cause, attention, c'est pour défendre nos libertés. Donc, grâce à ces gens pour lesquels vous avez et que vous avez élus, bien, vous allez vous retrouver un beau jour sur le terrain d'une guerre face à des machos virils, à des gens un peu plus durs que nos, 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 nos révolutionnaires de pacotille, nos révolutionnaires en, en carton. Eh bien, vous allez vous retrouver sur le plan. Alors il faut que les Antifas, au lieu d'aller casser des vitrines, au lieu d'aller casser, bah qu'ils aillent casser du russe aussi. Qu'elle envoie ses troupes d'Antifa en Russie, défendre les pauvres Ukrainiens, défendre Zelensky. C'est logique. Donc, on attend que tous ceux qui sont affamés de violence, qui ont envie de, 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 de casser euh, la France, bah qu'ils aillent euh, se défouler en Ukraine. Euh, on a Sandrine Rousseau, peut-être prochain ministre de la Défense, qui va les encourager à s'engager dans l'armée pour, euh, en talon aiguille pour certains, je ne sais pas, pour aller affronter justement le diable russe, Poutine, le, le, le Hitler des temps modernes. Tout cela va être bien emballé. La, la comment dire. La, la propagande va relayer euh, tous ces pantins pour justement nous conduire à ce conflit qui semble aujourd'hui inévitable, qui servira les intérêts anglo-saxons, qui va dépouiller les Français du peu d'argent qu'ils ont encore. Bravo pour tous ceux qui ont été lâches, bravo et on remercie ceux d'une part qui n'ont pas voté. Ça c'est très courageux, on voit qu'ils ont un esprit supérieur, eux ils analysent les choses d'un point de vue bien entendu bien supérieur aux idiots qui ont été votés Rassemblement National, qui se sont abaissés à voter Rassemblement National, on voit je vois dans les commentaires, mais nous avions raison de ne pas aller voter puisque les, les élections sont truquées, ben, bien entendu vous avez raison, même vous avez raison, mais un jour on viendra vous chercher chez vous, vous qui n'avez pas voté et, vous, et on viendra chercher vos enfants par la peau des fesses et on les mettra sur le terrain ukrainien et on verra là si le fait de ne pas avoir voté vous a rendu service et je parle de tous les autres les lâches les, les, les républicains ceux qu'ont voté Macron tous à tous ces boomers de merde ils vont j'espère qu'ils vont manger parce qu'ils ont une responsabilité tout ce que j'espère c'est qu'aujourd'hui on ait la monnaie de notre pièce et qu'on ré, récolte ce qu'on a semé tant pire pour nous on passera aussi à la casserole mais c'est pas grave on a aujourd'hui en face des gens qui se sont euh, qui ont été lâches qui ont Ayant joué le jeu du système, eh bien, demain, demain, ils seront entraînés par des, par des Sandrine Rousseau et compagnie vers un conflit contre la Russie. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite une bonne chance avec votre drag queens, votre, votre enseignement de la sexualité auprès des jeunes. Les jeunes rebeux, les jeunes musulmans qui se sont fourvoyés, qui ont été quasiment instrumentalisés par cette même faune, eh bien, eux aussi, peut-être, finiront sur le terrain ukrainien ou ils retourneront vite fait au Bled, ce que je leur conseille d'ailleurs, parce que sinon c'est peut-être l'Ukraine qui les attend. Puis Sandrine Rousseau sera bien au chaud hein, dans son petit appartement parisien, et euh, elle regardera les enfants se faire tuer, massacrer, mais pour la bonne cause. Pour la cause de la liberté, bien entendu. Alors là, l'écologie, d'un seul coup, on envoie des avions, des bombes, tout ce que vous voulez, mais là, réchauffement climatique, non. Ce qui est important pour Sandrine Rousseau, pour nous, je vous l'ai déjà dit, c'est d'obtenir de, des réformes essentielles comme euh, la paille, vous savez, la, la fameuse paille qui leur sert de cocktail, qui leur, qui leur permet de boire des cocktails sur les terrasses du Marais, et eh bien, ça leur permet, elle était, cette, cette paille a été une, une, une avancée extraordinaire dans le domaine de l'écologie. Paille qui a été re, reconvertie en papier recyclable. Donc ça, ça a été une grande réforme de l'écologie en France. Par contre, on envoie des bombes, on envoie du pétrole, on pollue. Mais alors, on pollue avec... Bientôt, on va polluer avec des bombes atomiques. Mais là, c'est pas un problème. Il faut y aller. Il faut bombarder. Il faut bien polluer l'Ukraine. Bien pourrir les terres d'Ukraine pour qu'on mange ensuite du blé bien bien pourris eh bien il faut apporter aussi des œufs d'Ukraine bien entendu pour aider des œufs bien pourris puis nous on, on va on va traquer et on va éliminer tous nos petits exploitants c'est Sandrine Rousseau pour laquelle vous avez que vous avez élu soit par votre abstention, soit en votant LR parce que ça a donné évidemment ça donne de la force à l'extrême gauche soit en votant Macron. Donc tous ces gens, les jeunes comme les vieux, les bobos comme les boomers qui ont choisi cette option-là, eh bien aujourd'hui, nous aurons fatalement notre récompense un jour en les voyant partir sur le terrain ukrainien, ça se sacrifier pour des oligarques comme Zelensky qui ont servi leur maître et bien entendu l'état profond américain. Bravo à tout le monde, c'est superbe, continuez comme ça.